Après une année, l'Organisation des Nations Unies n'a réussi à prendre une décision sous affaire force multinationale qui pourra lutter contre les gangs dans le pays d'Haïti. Mesdames, Messieurs, jour qui était 2 octobre 2023, j'en ai annoncé là, tu es supposé une réunion qui fait, et c'est ça qui fait, côté que tu as gagné 15 pays qui t'es réuni, et parmi ces 15 pays-là, dans une votation, tu es arrivé à gagner 13 pays qui votaient. Sous 15 pays qui votaient pour une force multinationale dans le pays d'Haïti. Gros bonjour, gros bonsoir. Selon le regardé vidéo ça et Nabzou, bienvenue sous Stand Up Lakay, bienvenue sous Zenet Haïti. Alors, si vous faites partie famille, nous avons invité sous vidéo ça même à abonner. Et lorsque vous êtes abonné, pas oublier cliquer sur la cloche de notification, retirer les options personnalisées, avouer sous toutes. Pour qu'elle recevra toute information nous yo en notification. Alors mesdames, messieurs, jeudi à la prank a fait actualité, c'est sous affaire force multinationale qui est pour entrer dans le pays d'Haïti que nous te dit que n'a venu confirmer jeudi à pour oui. C'est confirmé parce que vote là li fait dans jour qui était 2 octobre 2023 mesdames, messieurs. Nous va porter plus de détails pour vous. Et avant nous même entrer dans le détail dans l'information, ça n'a pas un like sur vidéo ça, regardez quand vous êtes pour cela, cliquez sur lui, bah non like. Nous t'arrêtons avec la vidéo ça, au moins lui passer environ 1000 likes. Mesdames, messieurs, votre la fête, côté que Negyoshita, en parlant de l'Organisation des Nations Unies, accompagné de 15 autres pays, et parmi ces pays-là, nous gagnons l'Équateur et les États-Unis qui étaient à la tête et qui bail vote pour une force multinationale dans le pays d'Haïti qui pourra le diriger par Kenya. Et bien, mesdames, messieurs, votation en fait. Parmi 15 pays, il y a 13 qui votaient pour, il y a 2 qui pas voté pour, qui pas voté contre. Nous voulons parler de la Chine et la Russie. Mesdames, messieurs, la Chine et la Russie, yo pas voté pour, yo pas voté contre. Et la Chine dit que c'est pas contre ni contre une force multinationale dans pays pour pays d'Haïti, mais faut que yo vise bien. La Chine lui-même est toujours très sensible dans question de force. Par exemple, s'il va le voyer force dans pays, il est très sensible, il remet analyser terrain, il remet analyser bagaille en pile. Avant que yo voyez des soldats dans l'autre pays. La Chine pas pour, lui pas contre. Et la Russie tout, c'est presque même version avec la Chine que la Russie lui-même lui bail. Qui donc deux pays ça nous connaît dans un premier temps, c'est deux pays ça qui t'ai empêché une intervention militaire dans le pays d'Haïti. Le premier ministre Ariel Henry t'a fait demande là vers les États-Unis d'Amérique. C'est deux pays ça yo et qui pas d'accord. Et bien c'est même yo même encore dans votation ça qui pas voté pour, qui pas voté contre nèg ça yo et donc je nous relis ça oui et vote blanche nèg ça yo pas voté pour eux-mêmes. Qui donc 13 sous 15 et bien oui Organisation des Nations Unies li autorisé Kenya entrer dans le pays d'Haïti et n'oubliez pas que Kenya lui-même c'est vote là d'Apton, c'est autorisation Nations Unies que Kenya d'Apton pour entrer dans le pays d'Haïti. Eh bien mesdames messieurs, nous pas dit que année à là que Kenya l'a entré dans le pays d'Haïti, eh bien toute bagaille signé oui a gagné une force multinationale dans le pays d'Haïti. Comme dirigeant Kenya a dit année ou pas entrer c'est l'année 2024, grand pile possibilité dans commencement année 2024 là. Nous pas besoin de saisir si nous avons soldats Kenya débarqués dans le pays d'Haïti, si nous avons Jamaïque voyé, si nous avons Nassau Bahamas voyé, Babad, tout pays ça yo voyé des soldats en Haïti, nous pas besoin de saisir parce que son bagay qui est signé hier pour pays ça yo entrer dans le pays d'Haïti, yo est joué une autorisation qu'on a ça dépend de yo pour yo qu'il est y a entré dans le pays d'Haïti. Mais
c'est un contrat de 1 an, c'est un contrat de 1 an qui est renouvelable et après 9 mois d'intervention ou après 9 mois force multinationale ça va travailler sur terrain en Haïti. Organisation des Nations Unies pral fo analyse pour ouais si nèg sa yo yo bay service et en question de maintenir la paix dans pays d'Haïti parce que wòl yo c'est mettre la paix dans pays d'Haïti et de police nationale d'Haïti mettre la paix non façon pour ka organiser élection dans pays d'Haïti. C'est wòl nèg sa yo pour yo fin sécuriser l'école et l'hôpital yo route ka bloquer tout bagay. Eh bien, c'est ça nèg sa yo pral aider police nationale fait dans pays d'Haïti mesdames messieurs. Alors et Jean Noël là c'est comme ça ça passé et force multinationale là li autorisé nous dit encore force multinationale là li autorisé pour entrer dans pays d'Haïti mesdames messieurs. Et après 9 mois ça si yo constaté que service allemand de plus temps y a renouvelé contrat 1 an parce que nèg yo signé un contrat 1 an pour une force multinationale dans pays d'Haïti. Nous pourquoi gen jou a fixe que nèg yo a rentré mais mesdames messieurs a gen une force multinationale parce que tout bagay signé contrat signé sous nombre de temps nèg yo pral faire en Haïti et autorisation hier li bay paloni que li joine 13 pays qui voté. Parmi 15 pays, j'ai 13 pays qui votent oui pour une force multinationale dans le pays d'Haïti. Et bien, mesdames, messieurs, pour plus de détails, en allant au audio, ça, non, titre comme ça, n'a pas tourné encore. Son accession à la présidence du Conseil de sécurité en octobre, et nous espérons que cette présidence sera couronnée de succès. Nous saluons le ministre des Affaires étrangères de Haïti présent aujourd'hui. La Fédération de Russie s'est abstenue lors du vote sur le projet de résolution préparé par l'Équateur et les États-Unis sur la création d'une mission pour multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Nous reconnaissons toutefois l'ampleur et l'urgence des problèmes de Haïti dans le domaine sécuritaire et nous avons toujours prôné et prônerons toujours une aide internationale responsable pour cet État en prenant en compte les avis de tous les pans de la société haïtienne. Le niveau de violence à Haïti dans le contexte de l'incapacité des pouvoirs et des moyens limités de la police nationale a atteint un tel niveau que Port-au-Prince a demandé à la communauté internationale une aide armée. Fort de cette demande, également des appels du secrétaire général, de l'opinion des pays de la région et de la volonté du Kenya d'être à la tête d'une telle mission, nous n'avons pas d'opposition à cette initiative en tant que telle. Parallèlement, il est indispensable de comprendre que l'envoi dans tout pays de forces armées d'un autre État, même à sa demande, c'est une mesure extrême qui exige une élaboration très précise. Toutefois, la planification de la mission et sa préparation, conformément à la résolution du Conseil, pendant cette préparation, nous avons vu que nos demandes, nos questions sur l'information détaillée sur le concept de l'opération, les modalités de fonctionnement, la stratégie de retrait étaient restées sans réponse. Et on a l'impression que cette mission qui n'est pas des Nations Unies essaie d'avoir une légitimité onusienne avec une décision du Conseil prise à la hâte. Nous comprenons que la mise en place d'une opération conformément au chapitre 27, c'est une mesure extrême, grave, qui exige qu'on la comprenne, qu'on en comprenne la responsabilité et ses conséquences possibles. Mais nous n'avons pas l'impression que ce niveau de compréhension était atteint. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie ne peut pas être d'accord avec l'application du chapitre 27 de la charte pratiquement à l'aveugle. L'histoire d'Haïti fait que Haïti a assez d'expérience sur l'ingérence irresponsable extérieure. C'est ça qui a causé la spirale de dégradation de Haïti depuis des années. Sanctionner
l'application de la force à Haïti sans bien comprendre tous les paramètres de la mission ainsi créée, c'est manquer de perspicacité. En outre, la conception de l'opération doit avoir l'approbation du Conseil. Il ne faut pas le présenter après coup. En outre, j'aimerais néanmoins souligner les éléments positifs de ce projet de résolution, comme par exemple l'appel lancé à toutes les forces politiques d'atteindre un consensus large dans un dialogue avec l'ONU et la CARICOM, élargir à l'embargo sur les armes à tous les acteurs qui n'agissent pas sous l'égide d'un État ou avec l'approbation d'une organisation internationale. Nous espérons que cette mesure permettra de réduire le flux illicite d'armes, faire la lumière sur ses origines et les itinéraires de la contrebande. Nous espérons que la mission contribuera plutôt à stabiliser la situation en respectant la souveraineté du pays et de ses habitants. Une quelconque ingérence extérieure dans un processus politique interne serait intolérable. Nous souhaitons en Arabie une bonne préparation et constitution et déploiement de la force. Nous attendons une information détaillée telle que demandée dans la résolution. Merci. Mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Nous sommes à la hauteur des attentes internationales et nous avons trouvé une nouvelle manière de préserver la paix et la sécurité dans le monde. Nous répondons ainsi à des appels réitérés d'États qui se trouvent confrontés à la spirale de la violence des gangs armés. Je voudrais remercier Monsieur Généus, ministre des Affaires étrangères de Haïti, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je salue la coopération de la République de Haïti. Je salue aussi le Guyana, la Jamaïque et le Kenya qui nous rejoignent cet après-midi. Je remercie également la délégation équatorienne Co-Porte Plume pour son travail inlassable dans le cadre du processus rédactionnel. Je remercie plus particulièrement le Kenya d'avoir accepté d'être à la tête de cette mission multinationale de soutien à la sécurité qui permet à la communauté internationale de répondre aux attentes de Haïti. Cette mission sera déployée à la demande du gouvernement haïtien et de la société civile du pays afin de faire face à la crise sécuritaire et humanitaire grave dans laquelle le pays est plongé depuis trop longtemps. Le déploiement de cette mission permettra à Haïti de répondre à ses besoins criants à court terme et de mettre en place l'environnement de sécurité nécessaire à la stabilité du pays à plus long terme. Plus important encore, cette résolution reconnaît qu'il est nécessaire de tirer les leçons de missions passées et appelle à ce que des mesures de protection des droits humains soient mises en place. Il faudra aussi une obligation redditionnelle. Cette mission multinationale de soutien à la sécurité sera déployée dans le plein respect du droit international. Elle contiendra des experts de la violence des gangs, de la police dite communautaire, de la protection des femmes et des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et de genre. Cette mission multinationale de soutien à la sécurité devra faire le nécessaire pour garantir la discipline parmi ses rangs et prévenir toute tentative d'atteinte ou d'exploitation sexuelle. Monsieur le Président, il y a un an, le secrétaire général a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'une mission soit envoyée en Haïti. Il nous a fallu un an de négociations, de pourparlers pour arriver au résultat actuel. Soyons clairs, notre travail ne s'arrête pas aujourd'hui. Il faut que cette mission soit opérationnalisée et surtout qu'elle porte ses fruits, qu'elle puisse remettre en place les conditions de sécurité que le peuple haïtien attend. La police haïtienne pourra bénéficier grâce à cette mission d'un soutien supplémentaire pour sécuriser les rues d'Haïti. Mais ce n'est qu'une étape pour répondre à la crise plurielle à laquelle le pays est confronté, insécurité alimentaire aiguë et difficultés politico-économiques. Dans le cadre des efforts déployés, la mission multinationale travaillera avec le bureau intégré en Haïti. Il s'agit d'une action multinationale qui a pour objectif de répondre à la grave crise sécuritaire en Haïti. La mission est, de par sa nature même, multinationale et c'est par des efforts concertés que nous pourrons aboutir.
la région et le monde sont restés unis et forts dans la réponse apportée à la crise en Haïti. Nous remercions la CARICOM, la Jamaïque, les Bahamas, la Barbade, Antigua-Barbuda qui ont promis des contingents, des forces de police pour alimenter cette mission, idem pour le Kenya évidemment. Aujourd'hui, d'après le chapitre 7, il faut savoir que les missions du Conseil de sécurité sont contraignantes, comme le président Biden l'a dit devant l'Assemblée générale lors de son allocution. Le peuple haïtien ne peut attendre plus longtemps. Fin de citation. Avec l'adoption de cette résolution, nous pouvons œuvrer ensemble pour que cette vision devienne une réalité, alors même que le peuple haïtien en a tant besoin aujourd'hui. Chine. Partage le sort du peuple haïtien et nous avons demandé aux factions politiques en Haïti d'assumer leurs responsabilités. Nous avons aussi appelé la communauté internationale et les partenaires régionaux et locaux à apporter une aide ciblée en Haïti. Nous remercions le Kenya d'avoir accepté d'être à la tête de cette mission multinationale de soutien à la sécurité. Le Kenya pourra ainsi jouer un rôle actif dans ce contexte. Ces dernières semaines, plusieurs consultations ont eu lieu entre nous, membres du Conseil, pour déterminer le cadre dans lequel serait déployée cette mission multinationale de soutien à la sécurité. Ces consultations se sont concentrées sur le chapitre 7 de la charte qui a été souvent invoqué, le respect de la souveraineté nationale, la non-ingérence dans les affaires intérieures. Voilà les deux principes qui ont toujours guidé notre action et c'est la raison pour laquelle la Chine a toujours souhaité être dans son approche prudente et responsable. Le chapitre 7 de la charte, souvent invoqué par le Conseil pour justifier l'usage de la force, doit se faire avec prudence, car il y a eu par le passé des abus. Étant donné la situation sécuritaire en Haïti et les préoccupations de la communauté internationale, et plus particulièrement des pays de la CARICOM, et comme nous faisons confiance à nos pays amis et alliés, nous avons voulu être constructifs pour l'adoption de ce projet de résolution. Cette résolution vient d'être adoptée. Nous espérons que les pays qui composeront cette mission multinationale de soutien à la sécurité consulteront régulièrement les autorités haïtiennes pour déterminer les modalités de déploiement des forces de sécurité. L'objectif étant d'arriver à un accord et de s'assurer que le peuple haïtien pourra